Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Change de Monde pour de nouvelles énergies, notamment celle de jeudi 12 septembre 2019. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit pour la journée de jeudi. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien reposés. Pour ceux qui ne travaillent pas le mercredi, c'est la journée des enfants normalement. Voilà, donc on va voir les énergies pour jeudi. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa, comme d'habitude, pour avoir les petits messages. Alors aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'en prendre deux. Voilà, c'est des envies comme ça. Deux petits messages pour vous. Mais voilà. Alors, on va les regarder ensemble. Donc, il y en a déjà un qui dit: prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Voilà, donc là aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, il faut prendre soin de soi. On commence, l'amour des autres commence aussi par prendre soin de soi, parce que c'est vrai que quand on ne prend pas soin de soi, on peut difficilement prendre soin des autres. Voilà, et le deuxième message nous dit: reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Voilà, c'est un nouveau message, on va dire, très positif, puisqu'on nous demande effectivement de temps en temps de faire comme un focus sur nous, en fait, et puis de voir, d'essayer de comprendre d'où viennent nos peurs, nos actions du passé, ce qu'on peut en tirer comme leçon, et puis surtout se dire que, eh bien, on a de la valeur, et quelle que soit notre histoire, on a quelque chose de toute façon à apporter à la Terre et à l'univers quant à son histoire. Donc voilà, donc nous sommes infiniment précieux. C'est ce que nous dit cette carte aujourd'hui. Alors on va continuer par un autre petit message de l'oracle, le petit oracle des couleurs. Alors c'est vrai que ce sont toujours des petits messages positifs, mais on a besoin un peu de commencer la journée avec des petits messages pleins de joie, d'encouragement. Là, cette fois-ci, pour demain, c'est mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Donc, eh bien, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le prendre soin de soi, s'occuper un petit peu de soi. Demain, c'est vrai que tout le début de la semaine, en fait, on était dans les énergies de transformation, les énergies où il fallait un peu foncer, un peu travailler, changer les choses. Et là, on dit que, ben, du coup, il faut peut-être aussi s'occuper de soi et puis prendre le temps de la douceur de vivre. Hein, voilà. Des fois, c'est important. On a tendance un peu, parfois, à oublier ces petits conseils. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle, pas l'oracle, le tarot des animaux. On va juste voir en deux cartes les énergies qu'il y a pour la journée de demain. On va voir ce que ces petits animaux ont à nous dire. En général, ils sont d'excellents conseils. Souvent aussi très positifs. Mais bon, ça fait du bien un peu de positivité dans cette rentrée. Alors, je sens les énergies très, très mobiles en ce moment, très vive en tout cas. On sent il y a beaucoup d'énergie qui circule. Alors ça peut peut-être énerver certains. Il y a l'approche de la pleine lune aussi. Ça va peut-être jouer aussi. Dans l'humeur de certains. Donc on va couper. Voilà. Alors on va tomber sur le 3 d'automne et le 4 d'été. Donc bah, écoutez. Donc cette carte nous dit: votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie.
Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et votre véritable moi de briller dans le monde. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, hein, de reconnaître sa valeur, de prendre soin de son corps. Donc, effectivement, ben là, demain, les énergies, c'est un petit peu de se dire, ben, on va un peu s'écouter quand même et puis on va voir, on va essayer de faire le point sur ce qui nous fait plaisir et sur ce qu'on a vraiment envie dans la vie et quel objectif on va avoir envie d'atteindre. Et puis essayer de mettre en œuvre tous nos talents pour, eh ben pour briller et pour arriver à atteindre ces objectifs. Hein, voilà, c'est ce que nous dit ce joli caniche qui est entouré de plein de jolies fleurs. Très jolie carte. Alors le 4 d'été, la tortue, par contre, elle nous dit « Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. » Alors voilà, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. On était dans les énergies en début de semaine, vraiment de travail, de concentration. Il fallait absolument profiter des opportunités qu'on pouvait nous offrir, notamment sur le milieu du travail. Là, on nous dit qu'effectivement, c'est très bien, mais qu'il ne faut pas oublier de remarquer tous les dons qu'on pourrait avoir autour de nous, notamment nos propres valeurs, hein, c'est ce qu'on disait encore tout à l'heure, voilà, hein, la lumière intérieure, notre lumière intérieure, ça fait partie de nos missions de vie, de s'en occuper et d'essayer qu'elle brille tout le temps. Et là, on nous dit, ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous, hein, donc n'hésitez pas à faire un break, hein, à essayer de se poser, s'occuper de soi, voilà, de reprendre un petit peu la douceur de vivre pour justement remarquer tout ce qu'on peut apporter et tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir eh ben, continuer, avancer et progresser. Voilà, voilà. Donc, on est bien dans des énergies de prise de recul, des énergies de douceur, des énergies de prendre soin de soi. Voilà, voilà. Alors, on va voir le tirage pour la journée donc de demain. Merci, Maggie, de me donner un tirage net, clair et précis sur la journée de demain. Tirage général, sentimental ou professionnel. Pour la journée de jeudi. Septembre. Alors, on est dans les nouvelles. Là, on nous parle d'évolution, de correspondance. Alors, peut-être d'un point de vue général, ça pourrait parler à certains de nouvelles qu'ils vont recevoir, de lettres, de correspondances, de coups de téléphone, voilà, qui permettraient de faire évoluer peut-être une situation. Hein, on voit que c'est peut-être une situation qui était un peu difficile ces temps-ci, et puis ben, du coup, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, qui vont permettre de débloquer, hein, la situation, de faire évoluer les choses. Voilà ce que nous dit cette coupe. Alors, on va tirer quelques cartes. Donc, pour la journée de jeudi, 12 septembre 2019. Alors, j'ai mon tapis qui n'est pas assez grand. Il va falloir que je m'équipe d'un tapis un peu plus grand. Alors, j'espère que... On va pousser un peu. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Alors, aujourd'hui, on nous parle de joie. On nous parle de prendre des choix, d'avoir des décisions à prendre, un destin qui se met en place, alors qui pourrait provoquer un petit peu d'instabilité. Hein. Voilà, on nous parle de projet. On nous parle aussi d'accusation. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, pour certains, effectivement, ce que je vois là, c'est qu'il pourrait y avoir, alors,
Bon, évidemment, la carte parle de couple. C'est vrai que pour y avoir de la joie dans le couple, il pourrait y avoir, pourquoi pas, un mariage, quelqu'un, une rencontre, des personnes qui se mettent en couple. En tout cas, on est dans les énergies de prise d'action quand même, hein. Il y a des choix qui vont devoir se faire pour certains, hein. Alors, ça pourrait provoquer une petite instabilité, mais en tout cas, c'est pour effectivement la mise en œuvre de projets, hein. On a des projets et on essaye de les mettre en œuvre, donc il va falloir qu'on fasse des choix par rapport à ça. Pour certains, il pourrait y avoir. Alors, je ne dis pas qu'on peut aller jusqu'au tribunal, bien sûr, c'est un tribunal, mais on pourrait y avoir des petites accusations, on pourrait peut-être. On pourrait avoir des petits reproches, par exemple, sur la façon de faire les choses. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Alors, on va continuer de tirer un peu les cartes. Alors, on nous parle de distance. On nous parle de contrat, vous voyez, avec le choix. Alors, peut-être qu'on va proposer un... On parle de sexualité aussi. On nous parle d'un homme et d'un enfant. Eh ben, dites donc... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Donc, on pourrait dire qu'effectivement, pour certains, ça pourrait concerner effectivement le milieu du travail et il pourrait avoir la possibilité d'avoir un choix de travail, peut-être, un nouveau travail quelque part, hein, voilà, d'où une différence de direction à prendre, hein, donc par la signature d'un contrat. Pour d'autres, il pourrait. On parle ici peut-être d'une petite instabilité au niveau du couple concernant bon, la sexualité ou peut-être le couple en lui-même. Hein, oui, voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le couple. Après. Ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être pour certains, une certaine instabilité, peut-être les cartes parlent de ça, hein, d'instabilité au niveau de la sexualité, de la fécondité. Peut-être que chez certains, une grossesse pourrait rendre le couple peut-être un peu instable. L'homme pourrait se sentir peut-être un peu isolé par rapport à la grossesse ou par rapport à l'enfant qui va arriver. Hein. Donc, il pourrait y avoir des petites tensions, hein, au niveau du couple. Voilà. Rien de grave, mais simplement des petites incompréhensions, des petits sauts d'humeur, voilà, par rapport à l'enfant qui va arriver ou l'enfant qui vient peut-être de naître. Hein, ça fait partie... du processus, hein, après la grossesse. Donc pour certains, on sent que c'est plutôt un tirage, effectivement, ça pourrait parler de la vie de couple, hein, des joies qui peuvent se passer à l'intérieur d'une vie de couple à l'annonce d'une grossesse, mais en même temps, c'est toujours un peu délicat avec les prises de distance qu'on a par rapport à la femme qui est enceinte, par rapport au saut d'humeur, par rapport au bébé qui vient. Voilà, on parle de différentes possibilités en fait qu'on aurait par rapport à cette grossesse. Alors, ça pourrait être aussi il y a eu des prises de décision par rapport peut-être. Un contrat entre les deux, peut-être une union à officialiser, peut-être, hein, par rapport à l'enfant qui arrive. Voilà. Moi, je vois ça un peu comme ça. Hein. Donc, on est plutôt dans un tirage plutôt de couple, là, de sentimental. Alors après, ça peut effectivement aussi, si on parle du domaine professionnel, hein, on peut effectivement parler d'un projet qui serait un peu pour l'instant toujours à l'état de projet, un peu instable, hein, et pour lequel on aurait des petites tensions au sein du travail avec peut-être un homme, sa hiérarchie ou voilà, hein, on peut voir ça aussi de cette façon-là, peut-être un nouveau contrat pour certains aussi, hein.
On parle ici de prendre de la distance, hein, d'essayer de prendre de la distance par rapport à ce qui pourrait se passer, c'est bon, j'ai du mal à parler, à ce qui pourrait se passer en fait au sein du travail, hein, prendre un peu de distance par rapport à un contrat qu'on pourrait proposer pour pouvoir faire les bons choix. Voilà, voilà ce que je vois à peu près pour la journée de demain. C'est déjà pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses et l'intérêt justement par rapport à ce tirage de prendre du recul, hein, d'examiner quelle est vraiment sa lumière intérieure et savoir ce qu'on a vraiment envie pour savoir les vrais objectifs. Hein, et puis surtout se rappeler que, comme disait tout à l'heure le tarot des animaux, qu'on a chacun a une valeur, a quelque chose à apporter, hein, dans l'univers à partir du moment où on fait tous partie, hein, de la Terre et on a tous quelque chose à apporter. Alors, on va finir par un petit conseil des fées, comme d'habitude. Alors, c'est l'oracle des fées, qui est un très bel oracle aussi. Donc, on va prendre un petit conseil pour la journée de demain, donc la journée de jeudi. Et bien, voilà, ça tombe. Ah, mais il y a deux conseils. Alors, il y a le conseil nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, ça peut concerner certains qui, effectivement, tout à l'heure, on parlait de grossesse, on parlait d'enfants qui risquent d'arriver ou qui est déjà là, qui créerait peut-être des tensions dans le domicile, dans le couple. Et bien, peut-être que le fait de déménager pourrait apaiser les choses et permettre à chacun de trouver sa place. Voilà. Donc, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Après, ça peut aussi concerner d'autres personnes qui seraient susceptibles de trouver un nouveau domicile plus proche de leur travail. Voilà, ça pourrait concerner ça. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Voilà, je pense que ça parle de ça. Pour certains, ça ne va pas du tout parler. Hein. Je comprends bien que la grossesse, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui sont actuellement dans ces énergies d'enfants, de grossesse, de couple, voilà, les fées nous disent qu'effectivement, la grossesse et la naissance d'un enfant, c'est vraiment une bénédiction, hein, pour le couple, en tout cas, pour vous, pour tout le monde. Et que peut-être, en changeant de domicile, on apaiserait les tensions qui pourraient y avoir, comme on a vu tout à l'heure dans le tirage, qui pourraient y avoir dans le couple. Voilà, voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour la journée de demain. J'espère que ça va résonner en vous, pour certains en tout cas. Et puis, je vous souhaite une excellente journée de jeudi. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.